Bonjour, le blog d'aujourd'hui, ce que vous allez voir aujourd'hui, s'est déroulé le 13 juin passé. Le 13 juin, ce n'était pas n'importe quelle journée pour l'expédition, puisque c'était le jour de la pleine lune. Et donc, il y avait une possibilité, une petite chance, que la reproduction des mérous se passe à la pleine lune de juin et non à la pleine lune de juillet, comme nous l'attendions plus probablement. Voilà, donc il fallait être là au cas où ça se passe un mois plus tôt que la date normale. Et donc plutôt qu'un résumé de la journée, je vous propose un petit extrait, non pas de la plongée elle-même, mais de nos réactions à la sortie de l'eau, à la nuit tombée, forcément à la pleine lune. On a vu plein de petits trucs. Mais il n'y a pas eu la reproduction qu'on espérait, enfin voilà. Ça se bat, ça change de couleur, ça... Il y en a certains, ils sont déjà bien abîmés, il y a des requins qui ont commencé à... Tu as vu celui qu'on a vu, qui a les deux grosses balafres jusqu'à l'arête, il est coupé. Il est complètement... Mais tu viendrais à Paris, on va le revoir dans les jours suivants, hein. il va tenir le choc, hein. C'est impressionnant, des grosses blessures comme ça, ça les coupe. S'il continue à se battre comme ça, pendant un mois jusqu'à la prochaine pleine lune. En tout cas, ça va être quelque chose de fantastique. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas celle-là, mais ça, quand même, ça annonce que... Ah, ça va être quelque chose. Ça laisse beaucoup de chance pour la suivante. Bon, ben voilà, une longue plongée. C'était la dernière tranquille, demain, le reste de l'équipe arrive, donc ouais. Le terrain de jeu, on va être obligé de le partager. Ouais, mais ceci dit, ça va être génial. Hein. Enfin, ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué, toutes ces caméras installées, la cartographie, le machin, mais... Voilà, c'est une autre étape. Puis après tout, on a 28 jours pour... hein, c'est ça, le cycle lunaire. Ça m'aurait quand même bien plu qu'ils arrivent et qu'on leur dise « Hey les gars, c'est fait, c'est trop tard. » C'est pour la prochaine fois. Bon allez, on sort de l'eau là.